Salut à tous mes petits trolls, c'est Agent GB, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude, mais en tout cas ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des pires plagiats de Minecraft, et là, les amis, je vous ai trouvé deux jeux qui s'annoncent pas mal. Je sens que ça va être comme des petites crottes qu'on aurait emballées dans un papier de bonbon, tu vois, ça a l'air appétissant, tu vois le bonbon, mais quand tu l'ouvres, t'as pas envie de le manger. Enfin, après je n'ai pas encore testé, donc ne soyons pas mauvaise langue. Du coup on commence avec le premier jeu, Pixelmon Hunter. Moi qui suis un grand fan de Pixelmon, ça devrait être super. Alors attends, je viens juste de lancer le jeu et le truc il m'agresse direct. Achète. J'ai pas envie d'acheter, mec, attends, mais j'ai pas envie de... Mais c'est please. J'ai envie de jouer, j'ai pas envie d'installer tes trucs. Ok, donc là on a un menu, ok, je suppose que je dois cliquer là-dessus, non? Ah non. Alors, aventure peut-être? Ah, oui, ça doit être ça. Ah ouais, alors c'est plutôt stylé quand même, ça rend pas mal. Ok, on a un petit monde en 3D, par contre je pige pas trop l'intérêt en fait. Ok, donc j'ai l'impression qu'en fait j'ai des Pokéballs et je peux attraper des mobs avec en fait, c'est ça? Oh! Je peux invoquer mon Pokémon Cobble Sticks. Allez, donc Pikachu et... Oh, oh putain, oh, oh putain de merde. Donc je peux l'invoquer comme ça et le but c'est du coup de tous les attraper en fait, c'est ça? Oh là, du coup ça attaque sur 20. Tiens, du coup attaque. Ah d'accord, donc quand t'appuies sur la patoune, ça fait attaquer l'autre Pokémon. Alors vas-y, faut se lever, attends. C'est mon premier combat, il va déjà mourir. Tiens, vous avez vu là ma barre de vie qui s'est dupliquée en haut sans pression. Là je pense que mon Stonepix est un petit peu dans la merde, sachant que je suis hyper lent. Allez, faut attaquer plus vite, il va peut-être survivre. Et c'est une victoire magnifique. Mais alors qu'est-ce qui se passe? Parce que là j'ai aucune thune, j'ai rien du tout. Comment est-ce que je peux acheter, je sais pas, des Pokéballs quoi? Ah voilà, shop. Alors, je vais acheter des items. 30 boules à Pokéball? Mais attends, mais j'ai pas de sous, moi. Bon, je vais me sacrifier pour vous et je vais acheter des coins. Oh là là, non mais please, quoi. Je sens que c'est l'achat que je vais le plus regretter au monde. Du coup, je me paye une petite armure parce que c'est stylé et du coup, on va acheter des Pokéballs. C'est parti. Bon, là, j'en ai 7. J'espère que je vais quand même pouvoir capturer quelque chose. Oh, regardez, il y a un carapuce là-bas. Trop stylé. Ah non, c'est un turble, pardon. Mais c'est un carapuce quand même. Du coup, moi, je le veux. Parce que moi, c'est mon starter préféré. Tortank qui défonce tout. Hashtag Team Tortank dans les commentaires. Ok, du coup, on va le blesser. Allez, attaque-le, mon petit Stonepix. Attaque-le. Attends, j'espère qu'on va pouvoir l'attraper. Boum, ça y est, il commence à être pas mal, là, il commence à être assez faible. Faut pas le tuer, faut surtout pas le tuer. Hop, allez, attaque. Ah, chope-le. Allez, j'ai 20% de chance. Pourvu que... Oh, je l'ai eu. Oh, regardez, c'est Germignon. Pardon, Leafy. Vas-y, on va essayer de le choper, ça va nous faire les starters, comme ça. Hashtag Team Germignon dans les commentaires. Oh, ouais, là, l'entente, là, on est bien, là. Fail, try again. Non, mais sérieux. Alors là, fail encore. Attends, mais please, là, il est complètement low life, là. Respectez-moi. Oh, je l'ai eu. Yes, j'ai eu Leafy. Yeah. Ah d'accord, et en plus les évolutions coûtent de la thune. Ok, tu peux même pas genre faire les faire XP. Ok, très bien. Et je peux même pas m'équiper de mon Leafy parce qu'il faut être niveau 11. Oh là là là. Bon résumé les amis pour ce jeu là, c'est sympa avec les mobs, mais c'est du gros pay to play. C'est même pas du pay to win, là c'est du pay to play. T'as rien à faire à part capturer ou buter des Pokémon. Et sachant que si t'en captures, tu peux pas les utiliser avant un certain level. Donc c'est de la grosse merde, je suis désolé. Passons maintenant au jeu suivant. Vous vous souvenez du jeu pourri de Jurassic Craft? Eh ben ils ont fait une suite. Wintercraft 3. Ah, évidemment, on continue avec les magnifiques pubs. Franchement, je sais pas. Oh là là, non, mes pubs de trading, vous m'aviez manqué. Oula, oh là là, ça me donne le tournis là. Oh là là, ça va me faire vomir juste en déplacement là. Non, mais on a voulu faire un maximum de réalisme, mais du coup, on a fait les mouvements de la tête. Mais mec, c'est immonde, ça donne envie de gerber. Ça met toujours autant de temps pour casser un bloc, c'est super cool. Oh, j'avais oublié qu'il fallait cibler. Oh mon dieu. Bon, ce qui est cool, c'est que je sens que je vais pas mettre énormément de temps pour vous faire comprendre que. What the fuck? Waouh, ils ont mis des taches de sang, c'est le réalisme. Rowool, what? De la laine crue? Ah, parce que je ne savais pas qu'on pouvait faire cuire de la laine. Non mais très bien, what the fuck. D'accord, non mais genre, autant avant il y avait des dinosaures, c'était un petit peu classe. Autant là, y a rien du tout. Ah, les maisons sont un petit peu plus équipées quand même, hein, ils se sont rendu compte que c'était complètement relou. Attends, vous avez vu tous les minerais qu'ils ont fait? Oh, c'est dommage parce que ce jeu a vraiment un bon potentiel, je pense, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'items, et c'est relativement beau quand même. Mais je veux dire, c'est tellement vide et relou, et what the fuck. Allez, d'accord, et ça crache, et ça me transporte au menu. Ok, super. Du coup, voilà les amis, c'est tout pour cette suite des pires plagiats de Minecraft. J'espère que ça vous a plu et que vous êtes bien marrés, surtout en me voyant galérer. Si vous avez des suggestions pour des applis comme ça qui plagient, ou même des logiciels qui plagient Minecraft, n'hésitez pas à me les envoyer sur Twitter, @agentlegar. Et sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci pour tout votre soutien, ça me fait trop plaisir. Je vous fais d'énormes bisous, vous êtes les meilleurs, restez comme vous êtes. Et sur ce, les amis, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. High five! T'arrêtes pas de rebondir, toi? Si vous regardez la texture du Guardians, il y a la signature de Jeb dessus. Ah bah t'as réussi à t'enfuir, toi. Ah bah bravo. Si vous droppez des potions de force à des Guardians, ils peuvent vous...